sur ce nom. De quoi? T'es en session solo. Mais faut que je fasse Après, quoi? mais genre sur la carte, mais c'est vrai que tu vois une personne sur la carte. Pourquoi? Non, parce que c'est du RP, donc en fait tu vois personne sur la carte. Enzo? Ah ouais. Enzo? Oui, C'est juste oui. pour un channel vocal sur Discord que je dois Hein? te solliciter. J'aimerais bien que tu viennes 2 minutes dans vocal 1 pour un channel Discord. Ouais, je m'en viens. Merci à toi. Qui va pas faire mon fils, il se va dire. Ah, en fait, le cas, tu vois, c'est pas comme j'étais online, tu vois pas les joueurs sur la carte. Ah non, mais c'est quoi, j'étais RP là, j'ai commencé il y a quoi, il y a 20 minutes? Oh, ça m'a marqué une erreur là. Allô? Yo! Allô, Travis? Ça m'a marqué une erreur. Bon, du coup, Travis, je te présente Face, c'est un gars que j'ai rencontré aujourd'hui qui sera peut-être recruté, on verra bien. Ok, salut. Du coup, ce soir c'est RP, normalement, si tout se passe bien, on a RP de quelqu'un. Je vais pas être dispo. Ah putain, pourquoi? Bah, le problème c'est que j'ai un scrim avec ma team Fortnite, je suis désolé gros. Premier scrim en squad, du coup, je suis obligé d'être présent. Un scrim rebelle, ouais. Ah, tu connais un peu? Oui, bah oui, je connais, mais bon, Fortnite. Je suis désolé, mais moi je suis dans une équipe, du coup, voilà. Non, l'équipe, est-ce que c'est ultra fiable sur l'équipe ou c'est vraiment un scrim, genre bidon, un truc vite fait? Non, c'est un scrim où si on va vraiment. Enfin, si on est qualifié, il y a quelque chose, tu vois. Il y a vraiment quelque chose. De toute manière, ça peut durer une heure comme ça pourrait durer 2 heures, tu vois. Genre, il suffit juste que la première game on fasse top 1, on est qualifié. Hein. Alors, on va essayer de play style plus possible, si on arrive. Bien, vas-y. Normalement, t'as de l'air 22h, 23h, je vais être là. Sale souci. Du coup, t'es sûr qu'il est fiable, Face Velaz? Mais. Sur 1000%? Bah, il est arrivé sur le serveur, on va le tester. Dans le RP. Ok. Et encore, je viens d'acheter ma Camaro. Et ces mécanos, c'est des putains de branleurs. Ils sont jamais là, ça casse les couilles. Ouais, du coup, je t'annonce, Ravis, aujourd'hui, braquage de banque. Ok, j'essaie d'être présent, Non, il a déjà eu. On a fait braquage du casino. Et ensuite, genre à la suite, on a enchaîné sur le braquage de la banque centrale. On a tapé 9 millions. Ah ça j'étais là. Ah t'étais là, ouais, t'étais là. C'est juste et que coup, j'aurais dû parler de ce soir, ce que tu vas faire. Ouais, ah bah oui, t'étais l'otage. Ouais. Et vos comportements de Faye et de merde, de Fiatzo. Fiatzo, t'as envie de le soulever? Bah j'ai fait une demande de mort RP. Parce que... Et d'ailleurs, tu vois, là, il y a un cousin. Ouais. Il s'est embrouillé 2 spies avec eux au parking central. Ah mais arrête de te embrouiller pour rien. Non mais de toute façon, bah, j'ai réussi à envoyer le chef du gang au commissariat. Oh putain. Mais t'inquiète pas, c'est ce que j'ai fait au moment où il s'est barré. Ils se sont tous barrés. Changé de cheveux, changé de coupe, et ils se sont croisés maintenant et ils ont sympathisé avec moi limite. Du coup, j'ai plus de locks, j'ai plus du tout la tenue, du coup j'ai supprimé tout ça, et puis du coup ils vont plus jamais me reconnaître. Du coup non, t'inquiète pas, c'est comme si j'avais jamais eu d'embrouille. Ouais bah après vas-y reconnaisse ta voix ou autre, tu vois. Oh non bah ouais ils m'ont pas reconnu, j'ai très bien parlé avec eux, ils m'ont même pas reconnu. Je t'assure. Et j'essaie de parler un peu d'une autre manière, tu vois. Par contre ça commence à me casser les couilles, ce putain de mécano, c'est un putain de branleur. Et genre parce que là la Camaro elle est dégueulasse. Genre je chien de Camaro dans GTA. Ouais. J'ai envie de voir ça, moi j'ai jamais vu de vraie voiture. Moi. Genre le Corvette il vient d'arriver tout juste sur GTA RP comme toi il y a quelques semaines. Ah d'accord. Ok. Ouais, j'ai quand rien vu. Moi. Ah t'as c'est clair que t'as rien vu. Et ce mécano commence à me briser. Moi je le trouve jeune pour que tu me montres tes voitures, j'ai envie de voir.
England. In the background right now, the sound of Anushka, the tune World in the Room. Before that, two leaders of the British bass scene. Putain, j'ai trop avancé 5M là. Il y a une rafale là. Ouais, mais 32/32, je peux jamais rejoindre. Ouais, non, mais là, c'est assez galère le soir pour rejoindre. On peut pas se mettre sur l'autre ? Quoi ? On peut pas se mettre sur l'autre. De quoi sur l'autre ? Bah, il y en a deux. Ah oui, mais il y en a qu'un seul, en fait. Là, il fallait sur le V2. Enfin, le... celui qui est full, qui est... on est bien. Pourquoi ouais. Celui, il a quoi de spécial ? Parce que moi, je me suis fait jeter. Hein. Franchement. Ouais. Bah, c'est ça, mais il y en a un qui est free access et l'autre qui est sous waitlist. Mais l'autre, tu pourras pas rentrer, t'es pas waitlist. Ah ouais ? Ouais, t'as passé l'entretien avec le staff et tout ? Ah non, mais je connais pas tout ça. Non, il faut que le taille en attente de waitlist plus haut. Oh non. Bon, je pense que je vais me casser. Par contre, ma caméra, je me suis fait arnaquer un peu, tu sais pourquoi ? Il y a une espèce de truc de surfer en dessus de ma caméra, sachant que sur la photo, il n'y a pas ça. Du coup, si Mikano n'arrive pas à enlever ça, je m'en fous. Hein. Je vais me faire rembourser par le concessionnaire qui m'en fasse spawner un autre. Hein. Je veux pas ce truc en dessous de ma voiture. Non, mais en fait, c'est un problème, c'est comme les serveurs. Les stickers sur certaines voitures. Enfin, bah, moi, je veux pas ça, hein. J'ai demandé au conseil si ça s'enlève, ça, par le mécano, je rien. Non, tu peux pas. Je n'ai pas la permission pour aller en waitlist.